Bonjour à tous et à toutes, c'est Thérapie au micro ainsi que TTT pour ce cinquième épisode du Point Viking. Salut à tous et bienvenue sur le premier épisode des vacances d'été. Et oui, il fait beau, il fait chaud. Les jeux sont beaux, les makers sont chauds et c'est d'ailleurs pourquoi dans notre sommaire nous commencerons par les petits nouveaux, suivis de Tension réalisé par Lead & Vis qui est enfin terminé. Nous conclurons l'épisode par deux petites infos mais pas de précipitation, c'est parti pour les petits nouveaux. Durant les vacances, comme vous le savez certainement, nous passons bien moins de temps sur le PC, c'est donc pourquoi les mini-jeux sont à l'honneur. Et qui dit mini-jeux amateur et récent dit Tetris de Mander. À l'origine réalisé comme cadeau pour sa maman, Mander nous a programmé un magnifique Tetris en bonne et due forme. Ah, j'aimerais bien être à la place de sa mère, les bons cadeaux sont toujours pour les autres. Pas de jalousie voyons, vu qu'il en fait profiter tout le monde. Enfin, on s'égare. Ce petit fangame a donc été codé en C et possède des graphismes custom. Oui, on notera d'ailleurs l'effort qu'il a fait d'avoir mis plusieurs types de symboles, même si personnellement je préfère les bons vieux carrés dans l'original. Au niveau du gameplay, même s'il en reste très proche du jeu de base, il a mis en place un système de gain de points lorsqu'on fait descendre les blocs plus rapidement, un très bon point si on joue pour le score. Pour les 2-3 incultes ne connaissant pas Tetris, le but du jeu est tout simplement de former des lignes en tournant et déplaçant les blocs. Le rythme avec lequel les blocs tombent augmente, plus le nombre de lignes complètes augmente. Mais ne nous attardons pas plus sur ce projet d'ores et déjà terminé et passons au mini-jeu suivant. Loli vs Ponies par Effie. Voilà, on s'attaque à un jeu complètement barge. Il est vrai que contrôler, je cite, une Loli complètement bourrée montée sur sa baleine volante pour zigouiller des poneys enragés, c'est complètement barré. C'est donc un shoot'em up complètement décalé où il suffit de presser Z pour tirer de manière linéaire et presser C pour effectuer des attaques magiques en cercle ou bien d'autres choses. Tout en précisant que les attaques magiques vous coûtent des magic points, alors veuillez les utiliser avec ingéniosité. Même si les graphismes ne sont pas toujours très propres dans le sens où ils sont un peu flous ou pixelisés par endroits, un peu à la manière d'un jeu flash que l'on trouve sur le net, nous immerge assez rapidement dans l'ambiance du jeu. Tout comme la musique, unique certes mais bien adaptée pour le jeu. Pour votre information, ce jeu a été réalisé sous Game Develop, très pratique pour créer des jeux 2D sans aucune connaissance des langages informatiques. Enchaînons donc avec EU de Tension sous RPG Maker XP par Lead & Vis. Attention, après environ un an de développement, Lead & Vis arrive au terme de ce fameux projet. À la fois un RPG à l'ancienne avec des combats, équipements, etc. et à la fois totalement décalé avec un détecteur de gags. On peut pas vraiment parler du scénario parce qu'il est constitué qu'un amas de gags en tout genre au fur et à mesure que le héros, avance à travers villes et marais. D'ailleurs, parlons de ces gags franchement bien mis en scène et toujours très drôles sans jamais tomber dans la vulgarité comme certains projets amateurs. Ils nous sont signalés par des étoiles clignotantes et un détecteur de gags. Un détecteur de gags? Oui, il nous affiche le nombre de gags non visualisés sur la map en cours d'exploration. Il est d'ailleurs important de regarder tous les gags pour faire avancer l'histoire et surtout pour profiter pleinement du jeu. D'ailleurs, nos sorts apparaissent plus le nombre de gags vus augmente. Le mapping est quant à lui impeccable, RTP-like certes, mais il en reste très bien fait. Le système de combat reste celui de base malheureusement, bien que les ennemis évoluent au fur et à mesure de recevoir des coups, ce qui est vraiment agréable. De plus, les ennemis n'ont pas forcément un rapport avec la map, mais avec le monde de l'informatique en général. On remarque également l'apparition directe du créateur durant le développement du jeu, ce qui est plutôt rare et mérite d'être signalé. En résumé, ce projet est autant à prendre pour son gameplay original que pour son aspect humoristique. Un bon projet bouclé et surtout complet. Pour conclure notre épisode, comme promis, nous allons vous rappeler et communiquer 2-3 infos. Effectivement, certains ont oublié que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait qu'un seul épisode par mois durant les vacances d'été. De plus, je tenais à m'excuser pour l'oubli de Red Seed dans la vidéo des remerciements des 200 abonnés, et à demander aux deux rigolos qui dislike chaque vidéo d'arrêter si quelque chose ne va pas. Faites-nous en part via un message privé sur YouTube, un commentaire ou même un mail, nous tenterons d'améliorer ce point. Allez, ciao à tous. Salut.